Bon, un petit problème là. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Nique-le! Bien dépouillé dehors. Une petite remise en état de ce 300 GazGaz 2009. C'est celui-là. Oh l'enculé! Donc autant dire que c'est pas une moto de salon, hein. On a vu. On va remettre tout ça droit. On va faire l'entretien de la fourche parce qu'avec tout ce qu'elle a pris dans les dents, on va voir que le spi est parti en vacances. On va mettre deux radiateurs neufs, plastique neuf, ça devrait être pas mal. Et déjà, on va aller la laver parce que là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Carénage ajustement variable. Rien qui tombe en face. C'est tendu. C'est tendu. T'es tendu comme une crampe. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. A few moments later. Bon, un petit problème là. C'est-à-dire qu'en fait là, on est sur une direction à position variable en fait. Là c'est première vitesse, seconde, troisième. Hop, fond de 4. Alors là, on n'est plus sur du léger point dur. Là, c'est carrément des roulements carrés. Là, je sais pas comment c'est arrivé.
Oh l'enculé. Bon bah du coup allez quoi. Ça me rappelle une copine. Alors faut pas avoir peur d'en mettre, hein. C'est toujours bon d'en mettre plein autour du trou. Ah, voilà. Plus de point dur. Plus de jeu, c'est de toute beauté. Ah, il faut au moins ça pour aller la broyer dans les arbres. Il la broye, il la broye. Il s'agirait de grandir. Bon, du coup, l'avant il est fini. On a fait roulement de direction, révision de la peau, protège-main 9, verre de bois avant 9, le radiateur 9, il reste plus qu'à finir l'arrière. Il a fallu redresser la boucle arrière qui était tordue, je sais pas pourquoi. Oh la culée. Maintenant le problème c'est que comme on passe un modèle 2009 en 2011, la coque arrière des 2011 elle descend moins bas que celle des 2009, donc elle s'adapte pas à la boîte à air. Du coup faut changer toute la boîte à air. Ça marche un peu ce petit là. La calotte douce est mort.
ça pousse.